Go. Hop, je vais couper le son de mon téléphone. Voilà. Alors attendez, juste pour bien, vous inquiétez pas, je suis là. Salut Kinoué. Hop. Voilà, pour bien pouvoir vous lire. Et on peut relancer le jeu. Et en avant. Donc salut Kinoué. On est aujourd'hui, on va tester un jeu. Alors, est-ce que le. Hésitez, faut pas hésiter à me dire si le son du jeu est trop fort. Parce que bon, il est quasiment au plus bas, hein, mais je peux pas le mettre au plus bas et j'ai l'impression qu'il est malgré tout assez fort. Oui, il est super fort le son. Enfin voilà, on part sur un jeu de management de rugby. Alors j'ai pris le comment ça s'appelle? Oui, j'ai pris le comment ça s'appelle le DLC pour avoir le championnat d'Angleterre et le championnat et la Pro 14 de la Ligue Celtique donc. Et j'ai vu qu'avec le partage de compos, j'ai pu récupérer des équipes alors relativement à jour avec les vrais noms des joueurs. Donc ça c'est cool. Oui, ben tu es pour l'instant quasiment solo, Kinoé. Ben, ça je vois marqué 3. Mais oui. Ben, ça vient de se lancer, hein. On commence. Hein. À peine trop fort le son. Le problème c'est que je peux pas le mettre plus bas. C'est chiant. Enfin, plus bas, c'est arrêté quoi. Okay. Je sais pas si je l'ai pas baissé un peu là. Donc, je regardais un peu. Genre, tu peux personnaliser. Donc, il y a. Moi, j'ai. Genre, j'avais récupéré la compo 2. Par exemple, parce que. Salut Bertotti. Salut. Dans les menus du volume. Mais en fait, c'est juste ça. T'as pas. C'est vraiment un jeu où t'as pas grand-chose. On va pas se le cacher. Modifié. Vous allez voir que en fait, il nous a salut Waspy. Donc en fait, j'ai mis le nom des effectifs des équipes relativement à jour. Et en fait, les joueurs, c'est marrant, ils sont faux du genre Owen Farrell, c'était Owid Forall, un truc comme ça, vous voyez. Et alors il y a quelqu'un qui a mis quand même tous les effectifs des compos à jour du genre bah tu vas voir mon équipe préférée comme par hasard. Et tu vas voir par exemple Exeter, ben on nous l'a mis bien, du genre hop, Exeter. Et vous voyez, il y a Ollie Atkins, Campagnaro, bon Campagnaro il n'y est plus vu qu'il est parti chez les Wasps, mais Will Shudley, Oli Devoto, Johnny Hill et Sam Hill, etc. Donc ça de base ça y était pas. Moi il y a quelque chose qui va me déranger. On va quitter de suite. Donc ça c'est le moment où. Tu peux modifier un truc, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a la police qui passe, je suis désolé. Tu es content de l'arrivée de Surtog? Oui, alors ce sera l'an prochain, mais c'est évidemment une superbe recrue pour l'Exeter Chief Surtog. Salut Samuel! Salut le geek du 31, salut Enzo. Ce jeu est apparemment bien. Eh bien écoutez, on va voir. Salut Chris, salut Steven, salut le petit baïonné. Écoute, on va bien, on va bien. On est jeudi soir, on approche du week-end. C'est toujours motivant. J'ai ma petite eau avec du zeste de citron pour tenir ce live. Alors je vous annonce clairement, il y a quelque chose qui va me déranger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que tu peux, avec le DLC que j'ai pris, tu vas voir, nouvelle équipe, tu peux prendre ben, la Celtic League, donc avec les équipes du Munster, du Leinster, etc. Tu peux prendre donc la première chip, le championnat d'Angleterre, ou tu peux prendre le championnat de France. Mais s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est quand même un gros manque, à mon sens. Voilà. Urios à Bordeaux. Ouais. Dommage pour l'équipe de France. Bon, après, Urios, moi, j'aime pas trop le. Je trouve qu'il fait un jeu un peu trop simpliste. Je suis pas fan. Mais après, il est fort. Après, voilà. Moi, je comprends pas, honnêtement, le choix d'Urios. Ah, bon, enfin, si. Son choix, il est financier. Hein, on va pas se le cacher. Au niveau jeu. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Salut, Matt. Du 63. Hein, clairement, toi.
au niveau jeu, au niveau rugbystique, l'intérêt d'aller de Castres vers l'UBB, il est nul. Mais je vois pas. Castres a quand même un effectif plus fort, se débrouille mieux que l'UBB depuis des années et des années. C'est juste au niveau financier, on sait que ça a payé, qu'ils ont envoyé, voilà. Alors, par défaut, Ligue nationale française. Donc, on va tenter, on va se lancer. Alors, attention, il va falloir... Salut Mathieu, il va falloir choisir une équipe. J'avoue que je suis tenté par une équipe en particulier, je ne vais pas vous le cacher, plutôt par le Stade Toulousain. Solde, tout le monde est à 500 000. Alors, je ne sais pas du tout. Ouais, c'est de la, je rappelle, c'est une découverte de ce jeu de rugby manager, National Rugby Manager. Voilà, c'est une pure découverte. Donc il y a la Pro D2 évidemment aussi. Alors la Pro D2, ben, elle est pas à jour, elle est à jour de l'an dernier. Donc voilà, il y a l'USAP par exemple. Et là il y a Brive encore dans la première division et Oyonnax. Et il y a l'USAP et Grenoble dans la deuxième. On va commencer avec Toulouse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ou avec Toulon. Munster, t'es un monsieur Munsterman. Ou avec Toulon, ça peut être marrant de commencer avec Toulon. Toulon l'an dernier, ils avaient un joli effectif. Prends la SM. La SM la saison passée, ça allait encore. Non! La SM, la saison passée, ça a été terrible. Mais bon, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Je suis tenté de prendre le loup, s'il te plaît. Le truc, le loup, en fait, je connais pas assez les joueurs. Munster. Et là, alors, je l'ai pris à le DLC pour avoir la Celtic League et le championnat d'Angleterre. Mais enfin, la Ligue Celtic. La Pro 14. Mais là, on va commencer avec du championnat. Même si je proposerai aussi après. Oui, oui, non, je ne vais pas jouer de mauvais tour, Chris, je ne suis pas comme ça. Si, il y a le Pro 14, il y a le Pro 14, alors après, est-ce que c'est les effectifs à jour? Je peux pas revenir en arrière pour vous montrer, non. Bon, on va partir avec Toulouse, on va voir ce que ça donne, si vous voulez bien. C'est vraiment de la découverte. Après, peut-être que je ferai un let's play en vidéo et pas forcément en live, ou peut-être un live, les Wasps. Les Wasps, pourquoi? Bah, même si je prends le V en Angleterre, honnêtement, Chris, je pense que je prendrai les Chiefs d'Exeter. C'est ça, Matt. Tout à fait. Tu as tout compris. Oh non, pourquoi Toulouse? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez contre Toulouse, les gars? Non, mais voilà, c'est parce que... Alors, honnêtement, pourquoi je prends Toulouse? Alors, c'est vrai que c'est mon équipe française préférée, hein, mais c'est pas pour ça, en plus. C'est parce que je connais bien les joueurs, en fait. C'est pour ça que j'ai hésité avec prendre Toulon, même si je suis pas un supporter de Toulon. J'aurais été capable de vous dire un peu ce que je devais faire, voilà. Avec Toulon ou avec Toulouse, je connais un peu les forces en présence. Alors on va regarder tranquillement, ça a des notes générales, etc. Bon, c'est vraiment de la découverte, on va se faire un live de, je sais pas, une heure et demie, pour voir un peu ce que ça donne ce jeu, qui est en ce moment vraiment pas cher, il coûte 10,20€ sur Steam. Et le patch, mais qui vous intéressera pas forcément, mais pour avoir le championnat d'Angleterre et le Pro 14, il coûte 2,99€. Donc en fait, j'en ai eu pour genre 13€, moins de 14€ pour avoir ce jeu. Ce qui est quand même pas cher payé. Donc voilà, et puis ça me dérange pas de mettre des sous quand même dans les quelques rares solides qui créent des jeux de rugby, voilà. Et Wasp aurait dû prendre, tu sais que c'est les plus forts. Alors pour moi, c'est de toute façon, enfin, on va voir, hein, mais le championnat d'Angleterre, il est déjà quand même énormément décanté. Et les deux plus forts, c'est quand même les Saris et Exeter qui volent sur le championnat avec 7 matchs pour 7 victoires, 34 points sur 35 possibles. Ben écoute, geek du 31, on regarde de toute façon ensemble. C'est l'occasion de montrer aux gens, mais de façon complètement honnête. Hein, j'ai pas été, je suis pas payé ou par qui que ce soit pour vous dire c'est bien, achetez-le. Non, on va juger. Pour moi déjà, je crois. Alors je suis pas encore sûr et certain, on verra, mais je crois qu'il y a un très gros défaut. C'est que ce n'est que championnat par championnat. Ils auraient pu, surtout qu'à partir du moment où t'as le DLC d'Europe et que t'as donc la Pro 14 et le championnat d'Angleterre, créer une Coupe d'Europe, on s'en fout si elle n'est pas licenciée, qu'elle s'appelle pas la Champions Cup, mais qu'elle s'appelle juste Coupe d'Europe. Mais ils auraient dû, à mon sens, créer ça pour... ouais, ça mettait un truc en plus, tu vois, quand tu faisais que tu prennes quelle que soit l'équipe, c'est toujours cool d'avoir le reste, voilà. Ramos, Colby, Mermoz... Attends, Ramos, Colby, Mermoz, Entamac, Médard, Holmes, Dupont, Keno, Elstad, Cross, Verag, Tecori, Aldeguerri, Marchand, Baye.
Ouais, alors le truc c'est que je rappelle que c'est plutôt l'an dernier, hein. C'est la compo de l'an dernier, donc je pense pas qu'on ait par exemple Jérôme Queneau. Et je pense que Ntamack qui doit pas avoir une note folle encore, hein, alors que c'est vrai que on a encore Fritz. Alors voyez, il y a les notes comme ça. Note générale, il est noté à 80. Et après, t'as tout plein de notes quand même, où tu peux voir tout ça, tout ça. Et je veux bien voir Chelsea Colbeat. Lui, honnêtement, il est noté à combien? 84 de notes de générale. Par exemple, MJ Kevou est noté à 81, d'accord. Tecori à 81, ma foi, pourquoi pas. Max Médard, 85. Meilleur que Colby, je sais pas. Mais je l'ai pas vu, Ntamack. Est-ce qu'il y est pas parce qu'il était chez les jeunes? Là, je serais un peu déçu, mais je l'ai pas vu. Je crois pas qu'il y soit. Je suis un peu déçu, il n'y a pas notre Ntamack qui est pour moi. Thomas Ramos, il est noté à 89. Ah ouais, il est un peu sur. Bon, en fait, non. Est-ce qu'il est surcoté, Ramos? Je sais pas. Moi, j'adore Ramos, mais. À 92 de Ficou, d'accord. 4... Ah ouais, d'accord. Dupont 83. Bon. On va pas regarder non plus note par note, mais. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Genre, il y a recrutement. Alors, on va pas de suite recruter, hein. C'est pas l'objectif. Là, en fait, c'est les joueurs qui sont libres, listés par Toulon. Olivon, Manouache, Chouzenou par le Racing, La Pandry. D'accord, là, t'as les joueurs qui sont laissés et que tu peux essayer de recruter parce qu'ils sont laissés par certaines équipes. Du genre, nous aussi, si on veut, je pense qu'on peut laisser un joueur libre. On va pas laisser Richie Gray libre, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, on essaie de comprendre un peu stratégie. Voyons voir un peu ce que ça donne. Alors, déjà, pour voir la compo. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas Ntamack. Moi, ça me gêne pas mal. J'aurais. Limite, est-ce qu'on peut pas aller faire une modif? Non, mais il y aura toujours sa tête. Mais officiellement, Fritz n'est plus là. Alors, est-ce qu'il faudrait quitter? Mais le truc, ça nous charge des trucs, ouais, c'est ça à chaque fois et je peux même pas. Enfin, bon, je dois pouvoir supprimer, mais. Parce que du genre, tu vois, tu fais partage de composition et là tu vas. Alors, tu vas à Ligue nationale française et là tu peux modifier des trucs, je pense. On va voir. Hein. Là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de la découverte. Donc là, tu peux. Du genre. Top 14, mis à jour. 15 mage et on va essayer d'y aller. On va essayer. Je vous dis ça comme ça. Ok, et oui, ça. Attendez, j'ai pas réussi. J'ai pas fait personnalisation. Ah non, je me suis trompé. Personnalisation, tac. Donc la ligue française suivant. Ah non, en fait, c'est pas là. Ok, on va voir. Donc du genre là, est-ce qu'on peut changer du genre qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Est-ce qu'on peut changer du genre les mettre dans une autre équipe, etc. Du genre au Stade Toulousain, Fritz, il y est plus normalement. Alors déjà, est-ce que c'est même pas classé par ordre alphabétique? Pour moi, Colby vaut plus que ça. Du genre Colby, est-ce qu'il n'y a pas genre crochet? Pour moi, crochet, tu le mets au max, tu vois. Le mec, c'est. Il plaque bien en plus Colby. Une grosse vitesse. Agilité, c'est agilité un peu les crochets peut-être. Je pense que c'est agilité parce qu'après. Technique, finesse, passe après contact, qualité. Hein. Je pense que ça doit être agilité les crochets. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est là qui. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est difficile à. Hein. Ah non, éviter plaquage. C'est pas super clair. Salut Maël, salut Bichente, bonsoir à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour, je suis désolé. Je suis un peu. J'essaie. Alors, on va essayer de comprendre maintenant. On a monté un peu les stats de Colby. Mais du genre, est-ce qu'on peut. J'en sais rien, il y a eu quoi comme recrutement auquel on. Le joueur de Toulon, Radradra, est-ce qu'on peut pas essayer de le mettre
Par exemple, il est à l'UBB maintenant. On va chercher Radradra, qui doit être par là. Est-ce qu'on peut le faire, genre faire les remplacements comme ça? Est-ce que vous voyez un Radradra? Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Ouais, Chris Ashton qui est aux Sharks maintenant. Brian Abana. Abana, il n'y est plus non plus. Il doit y avoir Vincent Clerc aussi. Vincent Clerc, ils nous le mettent à combien de notes? Ah, c'est pas noté comme ça, on voit pas comme ça. Bon, attendez, on va chercher Radradra. McAllister, ma foi. Rebadge. Il n'y a pas Radradra. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a un recrutement auquel vous pensez qui a été fait, enfin un transfert qui a eu d'une équipe du top 14 à l'autre? Ben si, à Toulouse, Ficou et Maestri sont partis. Voilà. Ficou, on va le mettre par exemple. Est-ce qu'on peut le mettre du genre Gaël Ficou, est-ce qu'on peut le mettre au Stade français? Pays France, est-ce qu'on peut modifier ça? Ben, si on peut pas modifier ça, t'es quand même sacrément bloqué. Et j'ai pas l'impression. C'est quand même une énorme. Enfin, c'est un fail si on peut pas faire ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire, tu peux modifier, c'est bien, tu peux modifier les joueurs, etc. Effectivement, Spedding aussi, on aurait pu. Salut Thibaut! Et donc, on peut pas changer. On peut pas changer. Ma foi, c'est dommage, à mon sens. Et ça te bloque pas mal de trucs, quoi. Alors après, il faudrait du genre Florian Fritz, on peut le sortir et mettre donc qu'il a pris sa retraite, on peut mettre un Ntamack. Est-ce que vous voyez Fritz? Il doit être par là, face à l'Elie. C'est par rapport. Ah évidemment, c'est pas par ordre alphabétique là. C'est par quel truc là? Il est là. Donc, genre. Ah ben voilà. Alors, on va mettre des stats à la Romain Ntamack plutôt que Florian Fritz. Romain Ntamack. C'est écrit comme ça? Non. Il n'y a pas de. Attendez, comment ça s'écrit Ntamack? Si quelqu'un peut me le montrer exactement comment ça s'écrit Ntamack, je suis ouvert à lire votre message. Du sautoir? Non, il n'y a pas du sautoir là. C'est le jeu, il est. D'accord, tout, il n'y a pas d'apostrophe. Ok, merci. Enta Mac. Merci à toi, le rugbyman. Alors, bon, déjà, il est français, on est bon. Alors, il a pas 33 ans, on va le mettre au plus jeune. Il a 19 ou 20 ans. Je crois qu'il fait genre. Mince. Il fait pas 101 kilos. Genre, il fait 1m84-89 kilos, quelque chose comme ça. Vitesse, accélération. Alors, là où il est fort plutôt, il est moins fort. Alors, attends, vitesse et accélération, ça par rapport à Fritz, je dirais que ça se vaut. Peut-être une moins grosse condition physique, mais plus agile. Moins de force. Blessure. Sens du jeu. Oui. Il a un bon sens du jeu, discipline. Plaquage, non, clairement, c'est pas son fort. Il esquive pas mal. C'est pas son fort de rafuter, il est moins fort que Fritz. Éviter plaquage, ça il les évite, hein, plutôt bien. Maniement. Ça va, ça. Il est même bon. C'est un demi d'ouverture ou trois quarts centre? C'est les deux, donc poste préféré. Il joue plutôt centre, alors on va le mettre centre. Balle haute, c'est pas son point fort, mais il est pas mauvais non plus. Voilà, saut en touche, on s'en fout. Lancer en touche, on s'en fout. Ruck, on va pas y toucher, il est pas très bon. Mêlée, on s'en fout. Passe, il fait de belles passes. Jeu au pied, il a un bon jeu au pied, un Ntamack. Technique coup de pied, pareil. Finesse, il est plus fin que Fritz.
passe après contact, voilà. Qualité de meneur, on va pas lui mettre encore de grosses notes, hein. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà, on aura mis ça relativement à jour. Je vais essayer de mettre d'autres trucs à jour. Salut Mathis, salut Joe. Même si le fait qu'on ne puisse pas faire les transferts rend le truc quand même difficilement. Ça rend difficilement modifiable quoi que ce soit, le fait qu'on ne puisse pas. Genre Jean-Marc Doucin, il faudrait le mettre au loup, tu vois. Et en fait, t'es bloqué là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, t'as pas de truc, je trouve ça quand même dommage. Ils nous permettent vraiment de superbement, il y a beaucoup de possibilités de modifier le truc, mais on peut pas faire ça. Bizarre. C'est bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Compétition top 14. Oui. C'est comme c'est dommage, genre si on avait pu créer une compétition pour genre créer avec des clubs anglais, des clubs un peu un top irlandais, gallois, écossais, anglais et français, ça aurait été bien de pouvoir, vu qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe, mais de pouvoir faire ça. Faut initier, on va rien toucher, on touche à rien, on va pas commencer à tricher sur ça. Mais ouais, donc je ne sais pas, du genre Paul Pérez. C'est bizarre qu'on puisse pas toucher à ça. MJ Kevou, on peut l'envoyer à Perpignan, hein, je veux bien, moi, on va pas le trop l'utiliser. Mais on peut pas. Bon allez, on va se lancer dans une carrière, de toute façon, c'est de la découverte, on aura juste vite fait mis ça à jour. Prendre Grenoble. Ah, en fait, mais le problème, c'est que je connais pas assez, je connais vraiment pas assez le... Si vous voulez, donc c'est composition 3, le truc, on peut même pas les renommer, genre, tu peux pas renommer, c'est... T'as des trucs qui sont bons. Après, voilà, c'est... Faut espérer qu'ils nous en sortent un nouveau, etc., avec un peu plus de peaufinage, etc. Il est bon, MGK, oui, non, mais il est correct, hein, mais... Salut Mathieu, bon, on prend Toulouse, mais voilà. On va essayer. Alors, est-ce qu'on va se prendre branler sur branler? Vous m'avez connu père prendre raclée sur raclée en live dans les jeux de manager de rugby. C'est un autre jeu de manager, ça laisse de l'espoir. Elliot Daly, un recrue Geekman. J'aime beaucoup Elliot Daly, hein, faut savoir. Mais le truc, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une énorme erreur dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont tout scindé. Et que tu peux pas, si t'es du côté du championnat... Alors la solution, mais ce serait un travail énorme, vu qu'il y a Pro D2 et Top 14, ce serait un peu flingué, hein, mais bon, tu crées une base de données, vous allez voir, vous allez me dire si vous êtes... Vous allez comprendre. En fait, c'est créer... tout retravailler dans la base de données, ce serait un boulot énorme, mais créer une Pro D2 et un Top 14 ou n'importe, hein, qui regroupe en fait les meilleures équipes françaises, anglaises, irlandaises, écossaises et galloises. Alors ce serait un boulot énorme, hein. Ce serait un boulot énorme à faire, donc ça serait en fait virer des équipes un peu françaises de Pro D2 sans doute et certaines de Top 14 pour y mettre ça, et du genre, en fait, c'est un truc à faire. Tu as pas compris ce qui est le problème du jeu? Ben, c'est qu'en fait ils ont trois grosses bases de données, c'est à dire la base de données française, la base de données anglaise et la base de données Pro 14, où tu as les deux premières divisions de Top 14, enfin les deux premières divisions, donc Top 14, Pro D2, les deux premières divisions anglaises, la première chip et la... comment ça s'appelle, la championship, je sais plus comment ça s'appelle, le championnat d'Angleterre de deuxième division, mais il y a aussi. Et il y a le Pro 14. J'ai pas regardé s'il y avait une deuxième division de Pro 14, je suis pas sûr, je pense pas ça. Mais voilà. Mais le problème, c'est que c'est scindé. C'est que c'est bien fait, c'est cool, il y a ces trois bases de données, mais ils nous les ont coupées au point que, en fait, quand tu prends, tu crées une carrière avec le Stade Toulousain, tu ne verras jamais le Munster, tu ne verras jamais les Saracens, etc., le Leinster, etc. C'est coupé. Et dans l'autre sens, pareil, si tu prends les Wasps ou Leicester ou les Glasgow Warriors,
tu ne verras jamais les clubs français ni anglais. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un truc pour voir s'il y a moyen de découper tout ça pour créer un peu une première et deuxième division fictive avec un peu les, donc les, ce qui permet quand même de mettre les 30 meilleures équipes d'Europe, ce qui pourrait être cool, hein, alors qu'il nous ferait enlever des équipes comme Charente, Dax ou Béziers ou l'Aviron Bayonnais, je suis désolé, hein, les Basques. Mais il y a moyen de créer un truc assez cool comme ça. Delhi mauvais face à l'Afrique du Sud. Il a été mauvais dans les ballons hauts. Il a été mauvais dans les ballons hauts maintenant. Voilà. Alors, voyons voir un peu notre groupe. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a maintenant Ntama qui n'est pas forcément Fritz? Est-ce que vous voyez s'il y a, si ça a marché, notre petite mise à jour? Il est là, Romain Ntamak. Noté à 84, bon, ça va. Et Colby, qu'on a augmenté en note, il est noté à combien maintenant? 88. Bon, c'est mieux, c'est mieux. Maintenant, on va pouvoir réfléchir à une compo. Ils nous ont mis... comment on crée notre compo, déjà? Et après, il faudra voir la stratégie. Ils nous ont mis Pointu, Fomuina en première ligne, oui. Giraldini en talon, je préfère Marchand. Alors, même si Marchand, il est noté qu'à 79. Et Giraldini donne... Bon, 81. Je préférerais mettre... Alors, comment ça marche? On regarde. Hein. Toujours pareil, on est en pure découverte. Donc... tac, tac, tac. Il est où, Marchand? Alors, comment je te mets en... Du genre... Poste sélectionné, nanani nananer. J'aimerais bien groupe sélectionné 1 modifié. Et du genre, si je fais ça, du genre team 1 avec no name, dire ça. Team 1. Et là, team 1, je veux mettre des joueurs. Comment on fait? Du genre, donc, je voulais mettre en 2 pas Giraldini. Comment on l'enlève? Alors là, tu vois, alors là, faut. On va essayer de comprendre comment ça marche. Hop. Bonne soirée Kinoé, merci d'être passé et à plus tard. Pourquoi tu joues plus à Rugby Manager? Ben parce que je veux tester cet autre jeu qui a un quand même dans le match. Après on va aller faire un match. Vous allez voir que ça ressemble plus à quelque chose, que c'est quand même beaucoup mieux. Mais je vous laisse la surprise, vous allez voir quand même que c'est mieux de ce côté-là. Alors attendez. J'essaie de réfléchir à quoi. J'aimerais bien trouver comment on change si je veux pas mettre ce pilier. Stratégie. Alors attendez. Comment on fait? Non là c'est vraiment la stratégie en jeu mais pas de ta compo. C'est la sélection. Non mais c'est un truc de fou, c'est. Ils sont pas capables de nous faire des trucs un peu clairs et nets. Giraldini, va-t'en. Comment je fais pour... Oula, j'ai viré Giraldini. Non. Il est où? Ah, je l'ai. Hein? Ah, attendez, si, c'est là. Il n'y a plus personne en non sélectionné. C'est bon, ça y est, j'ai compris. C'est pas clair, net et précis. Hein. Et là, par exemple, Marchand, donc... On peut le mettre en talon. Et là, c'est bon, il est en marche. Ouais, voilà. Donc, Fomuina. Fomuina pointu. Donc, c'est bon. Une deuxième ligne, Maestri, Richigré. Ça va. Talalegre, Axtens, Cross. Pour voir qui on pourrait mettre en 6 à la place. Elstadt. Je regarde un peu en troisième ligne, elle. Hein, qui on pourrait mettre. Face à l'ailé peut-être. Donc hop, en numéro 6. Ce qui fait qu'on a des réservistes en moins. C'est bon, on commence à comprendre les gars. Big, pas de Guitoun. C'est pas vrai, on n'a pas Guitoun. C'est vrai qu'il n'y a pas Guitoun, je l'ai pas vu. Si, il est là, pour voir combien il est noté, attendez. À 81 quand même, hein. Et il est noté à 81. Après on a Madol, moi que j'aime bien, mais on le mettra plutôt en remplaçant au pire. Parce qu'ils disent réserve, mais jusqu'au numéro 23, c'est pas des réservistes. Hein. Alors, attendez. Donc, on continue. Donc, on a mis face à l'ailé en 6, Axten en 7, François Cross en 8, c'est bien. La charnière Dupont-Doussin, j'ai envie de dire non, pas Doussin. Je suis désolé. On va mettre Zach Holmes, qui était mis en remplaçant.
Zach Holmes en 10. Demi d'ouverture, très bien. Après, on a sur les ailes, on nous a mis Colby UG et Ramos en 15. Ça, j'aime bien, ce qui veut dire que Médard sera remplaçant, mais c'est bien, c'est un bon un impact player. Et Ficou et Poi, je propose Ficou et Ntamack en 13. On va essayer, on essaie, hein. Je ne vous promets rien, ça va peut-être... Mais vous allez voir qu'un jeu, après, c'est quand même bien mieux fait, plus joli. Cyril Bay, c'est vrai que Cyril Bay, mais on va le mettre remplaçant Bay, mais c'est juste pour l'instant de l'échauffement, les gars. Par exemple, on a Verag aussi, qu'on a envie de mettre... Parce que dans les remplaçants, pour moi, donc on a, je vois Bay en pilier, donc il nous faut Giraldini en talon. Hop, donc remplaçant... réserve pilier, réserve... talon, voilà. Ensuite, il nous faut donc on a Elstad, Galant. Pour moi, Galant, non. Donc, je vais sortir Galant. Il est où Galant? Et on va mettre un Madol plutôt. Je préfère. Voilà. Alors, il nous manque quoi? Il nous manque quoi? C'est après, c'est juste pour faire. Je crois qu'il y a des matchs à Nico d'abord. Il nous faut des remplaçants à la charnière. Doucen, c'est bien quand même. C'est un remplaçant qui permet d'être de pouvoir un peu pallier à tous les postes, que ce soit 9 ou 10. Donc j'aime bien l'avoir remplaçant, Doucen. Donc réserve demi. Et après réserve centre arrière. On a déjà Médard. Parce qu'en fait, là, ils vont que jusqu'au numéro 22. C'est marrant, ça. Alors, faut se méfier. Donc, pourquoi pas Yann David? Vu qu'on a Médard, Yann David, c'est bien. Ou Yarod Poi, hein, qu'on a sorti. Yarod Poi? Allez, Yarod Poi. C'était ça, c'est bon. On a tous nos joueurs. Alors voilà, alors après, on va voir un peu la stratégie. On regarde un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a des trucs. Jeu au près, 20%, jeu au large. Alors nous, on est plus. On a envie de mettre du jeu au large. Hein? Envoyer le jeu au large, la balle à l'aile, la vie est belle. Coup de pied en jeu, coup de pied offensif. Alors on n'est pas. Des drops 0%. Bah non, des drops de temps en temps, ça peut être bien. Quoique, vraiment pas beaucoup. Alors, 5%. Après, est-ce que quand on sera en match, on pourra faire ça Attends, ma première stratégie, je vais marquer. Ma première strat. Comme ça. On saura que c'est un truc... distance ligne arrière, à plat, classique ou profonde? Alors moi je préfère profonde, oui. Vitesse ligne défensive, lente, moyenne, rapide. Alors vitesse ligne défensive, est-ce que ça signifie, est-ce qu'on monte très vite? Est-ce que c'est du genre... 12-86 de gêne? J'ai pas vu. Vitesse de ligne défensive, moi j'aime bien une montée rapide, tu sais, tac, tu montes très vite sur l'adversaire. Jeu sur réception, course, coup de pied offensif. Là, on a mis en fait, d'accord. Parce qu'en fait, voilà, selon si tu mets, ça baisse le reste. On est d'accord. Moi, je suis pas. Jeu sur réception, coup de pied défensif. Coup de pied... Moi, j'aime bien les courses, j'aime bien qu'on prenne des risques. Ouais. Pied offensif. Vous voyez, ça a l'air quand même, il y a l'air d'avoir plus de trucs que dans l'autre jeu de stratégie. Pénalité, coup de pied en touche 99%, tiré 0%, ben, ça dépend. Après, j'aime bien un coup de pied en touche, je le trouve. Joueur dans les rucks, alors attaque faible, moyen, élevé, défense faible, moyen, élevé. Ah, c'est difficile comme choix, ça. Coup d'envoi plutôt court, moi je préfère les longs, je préfère les coups d'envoi longs. Donc, essayer d'aller récupérer, je sais pas. Je préfère jouer l'occupation sur les coups d'envoi. Là, par contre, je suis un peu sans joueur. Joueur dans les rucks, faible, moyen, élevé. On va mettre moyen pour l'instant en attaque. Je veux pas perdre. Sinon, on va se faire trop souvent gratter la balle, à mon avis. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Du genre, est-ce qu'il y a des choix à faire? Du genre, okay. Je sais pas. Alors là, faudrait voir. Est-ce qu'on ne se ferait pas un match? Mais c'est un match d'entraînement, c'est ça? C'est face à quoi? Face à Yona, mais c'est un match amical ou... J'espère que c'est un match amical.
Rassurez-moi, les gars, c'est un match amical, match de compétition. Non, c'est directement le championnat. Bon, écoutez, on se lance. Ne simu 3D. Et vous allez voir que c'est pas moche. Toutes les rencontres précédentes seront aussi simulées. Attends, attends. Mais c'est ça le match. Non, je veux pas le simuler, simuler. Je veux aller au match. Simu 3D. Ça doit être ça. On va voir. J'espère que ça va marcher. Donc vous allez voir, on va aller dans le match. Et vous allez être surpris si vous avez jamais vu, c'est pas du tout comme un. Non, c'est la J1. Ok, donc il n'y a pas de match amicaux. On part directement sur la première journée. On va à Oyonnax. Vous inquiétez pas, le pare-feu. Lance-moi le jeu, mon petit. N'aie pas peur, tu vas réussir à le lancer. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais créer deux grosses divisions, c'est-à-dire une Pro D2 et une Top 14 avec les meilleures équipes du championnat d'Angleterre, de France et de Pro 14, je pense que ça peut être cool. C'est beaucoup de boulot, mais ça peut être cool à organiser. Salut Box! Salut, salut! Oui, la stratégie. Alors. Eh ben les maillots, on va pas y toucher, c'est les maillots officiels en plus. Alors, on est au stade, donc on est à Oyonnax. Alors, les avants, il y a les compos là, c'est carré. Donc, nous, vous avez compris, hein, Pointu Fomuina qui entoure Marchand, Maestri, Richie Gray pour la deuxième ligne, face à Lele et Axtens. Bon, vous la connaissez, notre compo. Et voilà, on l'a travaillé ensemble. Tu connais le jeu box? Ok. Allez, donc on est en blanc, hein, nous, de notre côté. Est-ce qu''il y a. Jouer. Simu par anticipation. Alors attendez, là j'essaie de voir. Jeu général, jeu avec les avants. Moi je joue avec les trois quarts plutôt. Mais attends, mais. C'est parti. Allez, on récupère la balle côté toulousain, oui. Alors là, je crois qu'on peut donner des ordres. Alors il faut être à l'affût. Je sais pas s'ils vont jouer au pied. Là, on a un choix à donner. Ils vont le faire tout seul. Alors est-ce qu'il y a des choix à faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut genre changer de caméra? Oh, mais ça fait des passes du côté toulousain. C'est pas mal ça. On avance, Thomas Ramos qui avance, attention, ne pas perdre la balle dans le rock. Et vous avez vu, vous voyez comme ça ressemble quand même beaucoup mieux à quelque chose que l'autre jeu de management. Alors qu'on a réussi à trouver un intervalle, je crois, du côté de Gaël Ficou. C'est ça, Ficou qui approche des 22 des Oyomen. On fixe avec Marchand. C'est bien côté toulousain. Allez, allez, on envoie Yohan Ugé. Ouais, Yohan Ugé bien plaqué, mais on arrive à rester sur la ligne. J'aimerais bien changer de caméra rotation. Ah bah, ah oui, on peut vraiment changer. Allez, on a récupéré la balle. Et c'est face à Lélé qui s'était pris un joli carton rouge face à Montpellier. On retrouve Lucas Pointu pour le premier essai du Stade Toulousain. On commence bien la saison, les gars. Voilà, bien le match. Alors, il y a des choix à faire là, hein, clairement. Faudrait réfléchir. Alors, c'est qui le buteur? J'ai même pas vu, mais elle va passer. Elle était pas facile. Coup de pied de transformation de Romain Ntamack. C'est Ntamack qu'on a mis buteur. Hein. Normalement, c'est Ramos ou même Holm avant Ntamack. Gaël Ficou qui vient récupérer la balle. Et c'est là qu'on peut choisir jeu avec les trois quarts, droite. Alors, ah oui, Otto, d'accord. Du genre là, c'est à droite. Ouh là là là, oui, mais j'aurais dû laisser Otto. On va commencer à perturber notre équipe. Attention, on a une mêlée contre nous. On va voir comment elle défend. Ils vont jouer un jeu au pied d'occupation. On va essayer de trouver la touche. Pas de coup de pied direct. Salut monsieur smartphone, bonsoir. Geekly, mais il a pas lu. Ben, j'ai pas eu le temps. Geek, la stratégie, c'est par rapport à la zone de terrain. Tu as des numéros à gauche de la pelouse. Aha. Mais en attendant, je n'ai pas. Allez, allez Thomas! Allez Thomas Ramos qui va mettre les cannes! Et on ne le reverra pas et on va déjà marquer le deuxième essai du match. Allez, Toulousain qui commence fort avec un essai marqué par Thomas Ramos. Bon, eh bien ça va bien. Pour l'instant, on commence bien. Romain Ntamack à la transformation. Et ça va passer. Alors, j'essaie de comprendre ce que tu m'as dit. Est-ce que c'était dans la truc d'avant? Allez, on récupère la balle. Colby qui joue au pied. Qui joue une chandelle. Alors là, on est un peu surpris. Il va bien plaquer. Voilà, Lima, on le calme. C'est bien. Bien défendu. Bon plaquage de Zach Holmes. Pour rugby 18, c'est bien 4 Go de RAM.
Je sais pas, il est gourmand, il est gourmand par rapport à ce qu'il propose hein, en qualité graphique, etc. Il est très gourmand, donc 4 Go de RAM, tu pourras peut-être le faire tourner, mais pas fou. Pourquoi tu mets pas Bail? Il est pas remplaçant, Bail? On l'a pas mis remplaçant par hasard, Bail? Après, on pourra le mettre, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. La saison est longue, c'est normal de faire à tourner. Alors attends, du genre, si on met Left là, est-ce que ça va envoyer. J'ai avec les trois quarts. Pourtant, j'ai pas mis coup de pied tactique. Hein. Attaquer les numéros. Non, non, non. On essaie de comprendre. En avant. En avant. Ils ont l'avantage. Ah non, il y a eu un en avant de nous. Attends, là, on demande bien à gauche, là. Allez, vas-y, envoie du jeu avec les arrières à gauche encore. Hein. Oui, ça marche. Allez. Allez, oh, Ntamak! Ntamak qui a trouvé! Allez, 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 faut aller l'aider, hein, par contre, parce que lui, il va pas casser trop les plaquages hein, sur la puissance. Dupont sorti de balle. Ah oui, mais on est toujours à gauche, c'est vrai, renvoie à droite, hop, renvoie à droite, est-ce que ça va marcher? Et là, il va envoyer à droite. Oui, d'accord, on peut quand même faire des choix. Ouh. Jeu avec les avants à gauche, on va tester des trucs. Ah ouais, ça marche bien! Hein. Oh, par contre, on est renvoyé dans notre camp. Coup de pied tactique, coup de pied dans l'est là. Coup de pied offensif, on va tenter ça. On va tenter ça, les gars. C'est pas mal, est-ce? Franchement, on va voir si ça le fait pas mal. Allez, un petit coup de pied offensif là de Zach Holmes. On n'arrive pas à passer. Oui, oh, c'était Ntamak qui a tenté un coup de pied offensif. Malheureusement, on s'est fait contrer et on a perdu la balle. Attention quand même. Ne pas faire n'importe quoi. Par contre, on a récupéré la balle. Allez, face à l'ailé. Coup de pied dans l'espace libre, on va essayer de prendre, jouer l'occupation. Zach Holmes, voilà, c'est bien fait. C'est pas mal, franchement, ça t'obéit vraiment bien. Voilà, c'est par rapport à ça que ce jeu, oui, il n'a pas le système de Coupe d'Europe, etc. Mais à côté de ça, il a quand même des possibilités, ce jeu, qui ne sont. C'est pas rien, franchement, c'est pas rien. Elles te permettent vraiment de faire du taf, je trouve. Alors là, on est en auto, donc là, c'est plus par rapport aux règles qu'on a données. Alors qu'on a un blessé, je crois que c'est Gaël Ficou. Aïe, 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 aïe. Allez, debout. Feignasse, debout. Je crois que protocole commotion pour Gaël Ficou, qui se relève pas. Faut peut-être jouer avec les avants, là. Ouais, voilà, on a un prof. Il s'est relevé, mais on a un autre joueur qui est au sol. Cette fois-ci, c'est Ntamak, nos centres qui sont en train de prendre cher. Alors, on a Yann David, je crois, ou Jarod Poy. Jarod Poy qui est sur le banc. Mais bon. Allez, ça va jouer l'occupation. Je pense qu'il va falloir faire des remplacements. Oh là en avant. Oh là en avant, repris devant. Normalement, c'est pénalité. L'arbitre ne dit rien. Tant mieux pour nous. Il va falloir faire des remplacements. Stop. Gaël Ficou, comment on fait? Gaël Ficou, pas à la place de Baye. À la place de Jarod Poy. Gaël Ficou, soumettre. Allez. Demande en cours, demande en attente. Ok. Allez, ça devrait marcher. Bon, maintenant 14-0. Pour l'instant, pas de jouer. Hop. Pour l'instant, pas de bonus offensif, mais on est pas mal. Attends, le match il va durer des plombes. Ça fait que 11 minutes de jeu. Ah ouais, c'est quand même. D'accord. Il a pas fait d'arrêt de volée ce crétin. Il a pas fait d'arrêt de volée. Attendez, coup de pied dans l'espace, coup de pied tactique. Est-ce que coup de pied tactique ça équivaut à un jeu en touche? Oh là là, c'est face à l'ailé qui a joué et qui a bien joué au pied. Bien joué ou il a mis la patte en touche? Il y a touche pour qui là? Je pense qu'elle est pour eux. Elle est pour eux, ouais. Alors après on peut accélérer le temps je pense. Comment on fait? Parce qu'après tu peux activer. Mais bon je préfère avec. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est plus cool comme ça quand même. On a la balle. On est en neutre. Wow. J'ai envie qu'on envoie le jeu avec les trois quarts à droite là-bas là. Du côté de l'aile à Colby. Allez, faut envoyer du côté de Colby là. Oh, Jarod Boy qui est plaqué. Moi j'y crois là. Regardez Colby, il atteint le ballon là. Non, mais j'ai demandé à droite, Coco. Oh Coco. Envoie à droite, allez, 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 faut l'envoyer à droite. Il m'énerve, ils obéissent pas à leur coach, les gars, ils obéissent pas à leur coach. Si j'ai Rugby Challenge, ça devrait marcher. Rugby 18, Rugby 18 est plus gourmand que Rugby Challenge. Ou Jarod Poy qui a cassé les plaquages. On retrouve Thomas Ramos qui fait un bon match. Je rappelle qu'il a mis un joli essai tout à l'heure. On insiste encore à droite. Oh, j'aurais peut-être dû arrêter, mais ils ont pas voulu envoyer sur la Colby ces enfoirés. Tu peux accélérer le jeu en bas. Oui, je crois. Zoom, rotation, inclinaison. Alors ça, c'est pas ça, c'est la caméra. C'est quoi, en fait? Ouh là là! Non, non, ça simule une partie du match. Qu'est-ce que j'ai fait?
D'accord, non. 2 fois 2 fois 0. Donc là, ça joue plus vite, attention. Ouais, mais. Alors, c'est vrai que quand on défend, on n'a pas besoin. Oh là là. Sur notre en but. Mais qu'est-ce que c'est ce petit jeu au pied tout pourri? Mais c'est la mi-. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La mi-temps. Stop. Vous avez compris, vous, ce qui s'est passé? En fait, ce chrono, il signifie rien. On n'a pas franchi la mi-temps. Oh là, oh là, on comprend rien. On comprend rien et j'ai enlevé ma tactique. Elle est où la tactique? Stop. Je peux plus leur donner ma tactique. Comment on fait? Allez, revenu. Il fallait. Ok, on va jouer avec les avants là. On va jouer avec les avants là. C'est du jeu de gros. On est à 10 mètres de l'embute, les gars. À droite, à droite, à droite. Il y a du rage. C'est pas le bon choix là, Zach Holmes. Ah, faut que. Allez, là, on continue avec les avants, avec les avants, avec les gros. Voilà, Lucas Pointu. On peut commencer à. On va demander les remplacements, même si je comprends pas. Le chronomètre, je le comprends pas en fait. Le chronomètre, je ne le comprends absolument pas. On va faire un trébail à la place, bah, à la place de Pointu. Allez, soumettre. Voilà. On va faire entrer Max Médard à la place du jeune Thomas Ramos. Soumettre. Voilà. Et on va garder le reste pour l'instant. Allez. Jouer. Il y a encore une action à jouer pour les joueurs qui ne sont pas sortis encore. Allez, allez, allez. À droite, là. À droite, à... sur Colby. Allez, allez, Colby. Faut mettre les appuis. Il a fait un tic-tac. Allez, oh, il est poussé en touche. Il avait fait un tic-tac, hein, vous avez vu. Il a fait un genre de pas de loi. Il était passé. Ah, dommage. Ouf. Bon plaquage. Là, on peut accélérer, mais. C'est là que je comprends pas leur truc. C'est pas très clair pour faire passer, accélérer le temps. Et c'est combien? C'est 30 minutes en fait? Il y a 15 et 15, c'est ça? On a perdu la balle. On peut mettre max x3. Ouh là là là, les joueurs d'eau. Il y en a qui sont en train de s'énerver là. Ils sont revenus dans nos 10 mètres. Aïe 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 aïe. Ça va mal. Heureusement, elle passe pas. On va demander un coup d'envoi long. Alors, honnêtement, heureusement qu'il l'a pas transformé à celle-là. On va pas se le cacher. Ça a remis le chrono à la vitesse classique, hein, je vois là. Geek met un tamac en 12 plutôt que 13, ça peut faire la diff. Bah, tu sais, par exemple, à Exeter, faut savoir que Henry Slade, qui est une demi d'ouverture de métier, il joue 13 et pas 12. Des fois, le deuxième centre joue. Alors, ça dépend. C'est pour ça que ça me dérange pas de mettre un tamac 13 en fait là. Allez, là, je les ai laissés faire le choix du jeu au pied. Ouh, on a un peu de la chance avec le rebond, on va pas se le cacher là. On a encore 9 points d'avance, mais ce serait bien de marquer là, de voler le ballon en touche. Oui! Oh, le ballon volé en touche. Et là, on joue avec les gros, on joue avec les gros, les gars. On revient à gauche là, on revient à gauche, on revient à gauche. Allez! Attention de ne pas perdre la balle dans ce contre-ruck, c'est bon. Là, il faut envoyer là, là. Voilà! Oh non, on explose! Ah, c'est dommage, on vole la mêlée! Oh là là! Aïe, 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 aïe! C'est dommage, on avait de quoi bah, tuer le match si on marque cet essai. C'est tendu. Oh, c'est tendu. Il faut aller au placage. Bien, Antoine Dupont qui est au placage. Allez, 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 allez. En avant. En avant. On va les faire encore des remplacements. J'aimerais me faire. Attends. Des remplacements encore. On va faire entrer Madol en troisième ligne à la place de qui? De face à Lélé. Hop, soumettre. Et on va faire entrer Doucet. On fait sortir qui? Dupont? Holmes? On va pas faire sortir Dupont. Allez, c'est reparti. On les laisse là choisir un peu leur choix. Hop, allez, Zach Holmes qui allait fixer.
Allez, du jeu avec les avants, encore une fois. Alors là, j'insiste avec du jeu avec les avants, là, mais c'est vrai que quand on est aussi proche de l'en-but, c'est censé marcher. Allez, cette fois-ci, on repart à gauche, là, avec les gros. Non, on a perdu la balle dans le ruck. Oh, je m'y attendais pas. Allez, ah, il va trouver la touche, il va trouver la touche. Et jouer, on la jouera pas rapidement. Du côté de Johan Hugé. Ah là 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 là. Ouais. Allez, on envoie la balle à l'aile, la vie est belle. Du côté de Colby, là-bas, faut faire une longue passe. On explose encore le ballon. Attention, ne pas se manger un contre terrible. On commence à pas réussir à... On concrétise pas du tout nos actions, quoi. Oh, je crois qu'on récupère la balle. Le contre-ruck, ah, ce serait plutôt de l'autre côté. Vas-y, 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 à gauche. Oui, allez, allez, tu fixes. Oh, Johan Hugé qui casse le plaquage. Qui retrouve, je ne sais pas qui, je crois que c'était Colby. Allez, ouais, c'était Colby. Là, c'est plus le bon sens. Non, c'était pas dans ce sens-là. Mais il va passer. Ah, il va être poussé, faut mouiner, on n'est pas en touche, c'est bon. On va jouer avec les avants à droite. On a la balle, on a la balle. Ça bataille. Est-ce que ça veut bien sortir la balle? Oui, ça a attendu, allez! Où on a envoyé un marchand, on a toujours voulu regarder le ballon, on l'a perdu, et oui, on l'a vu là sortir le ballon du mauvais côté du ruck. Oh, l'en avant récupéré! Allez, allez, on a l'avantage, et là on peut ne pas hésiter et envoyer du jeu la balle à l'aile, il y a l'avantage, il y a l'avantage, faut pas hésiter, envoyer un bon ballon, c'est laissé, non! Zakolm, ça l'est, on est à deux doigts de gagner ce match, si ça marque, non! Ça va revenir à l'avantage, je pense, non, on a encore la balle, mais c'est un avantage sur un avant, donc. Ouais, à droite, allez, allez, marchand, marchand! Et il est renvoyé, est-ce qu'on va revenir à l'avantage? J'espère, oui, c'est bon. Allez, on va continuer à envoyer grand côté là. Et non, j'ai demandé à droite. Ah. Bon, on va envoyer avec les gros là. Oh non, mais on a perdu la balle encore. C'est un truc de fou, tous ces ballons perdus devant l'en-but. On n'y arrive pas, les gars. Je lis un peu ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe? Avantage en avant? Ils ont fait en avant? Oui, allez. Allez, faites ce que vous voulez sur cette sortie. Oh le petit crochet, la toupie de monsieur Johan Hugé. Ça a malheureusement pas été très efficace. On essaie d'envoyer la balle. Oh la petite retournée intérieure pour Jared Poy. Allez, allez. Allez, du jeu avec les avants un peu. Faut fixer là. Allez, allez, on n'est pas loin d'avancer avec. Le 8, et je pense si on arrive à aplatir. Oui, il y est. L'essai de Jean-Marc Doussin, vous ne l'aviez pas vu venir. Hein. Un essai de Jean-Marc Doussin. Ntamack, qui joue tout le match, devrait être le buteur. Et c'est Ntamack qui vient marquer 2 points de plus. Victoire! Alors, pas de bonus offensif, homme du match. François Cros du côté du Stade Toulousain. Alors que vous voyez quand même que l'autre jeu de management, il est. Il a le côté, on a la Coupe d'Europe et tout, mais celui-là, il a quelque chose dans le jeu où tu sens que tu influes sur le jeu. C'est-à-dire que des fois, on a fait des choix, on a fait des mauvais choix, des fois, on a fait des bons choix. C'est quoi? C'est l'action du match? Qu'est-ce qu'il nous montre là? C'est le ralenti, c'est une relance de Lucas Pointu. Ah oui, Lucas Pointu qui retrouve Thomas Ramos. Thomas Ramos qui avance, je crois, on était à 0. Ah ben non. Ah, il nous montre des actions comme ça. Ah, c'est cool, il nous remontre un peu les grosses actions. La récupération, Dupont qui retrouve face à Lélé qui met les cannes, qui est bien plaqué. Oh, on retrouve, ah oui, on retrouve Lucas Pointu, c'est vrai que c'est un bel essai. Vous voyez, ça ressemble à quelque chose hein, pour un jeu de management, de rugby. Souvent, on met les trucs à Zach Holmes. On n'a pas hésité à relancer. Par contre, voilà. Ah, c'est une belle relance, ça encore. Hein. Allez, Dupont. Dupont et on trouve Thomas Ramos et là il met les cannes. Quelle relance quand même! Je sais pas ce que vous en pensez. Quelle relance et quel essai là de Thomas Ramos, mais un bel essai. Allez, on va quitter. Et donc on se retrouve. Alors, importation des données de match parce qu'on n'est plus à 0 points. Voilà, on passe à 4 points. Tout comme La Rochelle, Clermont, Agen et Montpellier. Les équipes qui ont perdu, elles sont là. L'UBB, Oyonnax et Brive. Alors pourquoi? Ah, parce que non, Agen et Montpellier, ils ont fait match nul. Et après, alors il y a des équipes qui n'ont pas encore joué dans cette première journée. Donc, très bien. Et c'est quoi après jouer? Vous n'avez plus de match sur ce tour. Utilisez la page d'accueil pour avancer dans les autres rencontres. On est à la page d'accueil.
Donc en fait c'est ça. Simu. D'accord. Et là ça va simuler les matchs. Intéressant. On comprend un peu le truc. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Est-ce que ça nous dit le résultat? 5-12 pour le Loup. Le Loup qui a battu le Stade Français au Stade Français. Bon résultat. Le Racing à domicile face à Castres. Bon, normalement, le Racing devrait l'emporter. Samedi, live de la Ligue Barrage. Exactement vers 20h. Hein, comptez à peu près vers 20h. On a deux matchs à faire avant le match. En fait, je vais regarder Toulouse de mon côté. Le Stade Toulousain qui joue face à je ne sais plus qui. C'est 21-3 pour le Racing, Castres qui a pris cher. Et enfin, Toulon face à Pau, Toulon devrait l'emporter. Ok, bon appétit Thibaut, merci d'être passé. Et Toulon qui a gagné 28-0 et qui prend le bonus offensif. Deux équipes ont ramené un bonus offensif, c'est Toulon et le Racing. Et nous, ben, on est pas trop mal. On est là, 4 points. Bon. Notre groupe, déjà, on avait des blessés. On avait Ficou, ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce qu'on a des blessures tenaces, capacité de performance 90%, repos nécessaire pour se, je vais y arriver, repos nécessaire pour se rétablir totalement une partie. D'accord, donc en fait, il faut le laisser au repos un match. Ce qu'on va faire, on a des centres. Alors, tu me disais, on va tenter de mettre plutôt en premier centre, en fait, donc Romain Ntamack, plutôt qu'en deuxième centre. Pourquoi pas, donc 3 quarts centre en 12. Et donc en 13, est-ce qu'on ne ferait pas entrer Sofiane Guitoun? Non, je rigole. Yann David, pourquoi pas, hein, moi j'aime bien Yann David. En 13, on laisse Yardboy remplaçant. J'ai trouvé que Ramos avait fait un bon match en 15, il met un bel essai. Je trouve qu'après notre équipe, elle a bien tenu. Alors après il faut voir s'il y a de la fatigue en jeu, etc., qui entre en ligne de compte. J'espère, parce que sinon il y aurait plus il y aurait tout un truc en bonne santé. Alors il y a les blessures, déjà c'est un bon truc, mais je sais pas s'il y a la fatigue, vous voyez, qui entre. Bye le rugbyman, à plus. Je sais pas si c'est moi, mais il y a des coupures toutes les 3 secondes qui sont extrêmement chiantes. Ah, n'hésitez pas à me le dire si vous voyez des coupures toutes les 3 secondes. Si c'est le cas, en tout cas, je suis désolé. N'hésitez pas à le dire si ça coupe. On va mettre Baye titulaire, allez, à la place de Pointu. Hop. Et on va mettre donc Pointu en remplaçant. Il est où Lucas Pointu? Il a été sorti. Ah, j'aimerais bien Mathieu Sefa Tekori en deuxième ligne, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien Tekori, moi. C'est quoi la place qui me manque? 16. Non, pas de problème. Ok, pas de coupure pour moi. Bon, ok, vous me rassurez. Ouais, je sais pas, alors peut-être baisse la qualité. La chaîne sport peut-être, mais un truc un peu moins... Alors attendez, on va réfléchir. Moi j'ai envie de mettre Tekori. En deuxième ligne, on a Maestri et Richie. Bon après, Maestri et Richie Gray. Maestri qui a une meilleure note que Richie Gray, c'est pas très crédible. Bon après, Richie Gray est tellement gravement blessé depuis un moment que bon. Mais tout de même, je ne trouve pas ça plus crédible que ça. On va le mettre à la place de Hellstadt un peu. Tekori, j'ai envie de le voir à l'œuvre, hein, à Yosefa. Hop, donc il est numéro 18, voilà. Alors est-ce qu'on peut faire tourner encore quelques trucs? Après, faut faire gaffe. C'est vrai que j'aime bien, c'est les Vazio Tolofoa. Alors là, il est à 78, il est encore jeune. Ok. C'est quoi notre prochain match? On essaie de se faire un prochain. Ouais, il est 19h55, on a le temps de se faire un point. Vous n'avez plus de match dans ce tour, utilisez la page d'accueil pour avancer les autres rencontres. On n'a pas tout avancé? Avancez jusqu'au prochain tour. Ah, c'est vrai. Ah, mais j'aurais pu faire ça plutôt que faire match par match. Bon, c'était marrant de faire match par match. Mais donc voilà, faut que je réfléchisse à créer une. En fait, une double ligue, une division 1, division 2 des plus grosses équipes d'Europe.
Parce que je trouve que ça manque de faire juste entre équipes françaises. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien juste les équipes françaises. Mais moi, j'aime bien le principe. Et puis en plus, pour avoir du transfert possible de tout plein de grands joueurs, c'est bien qu'il y ait aussi les équipes. Les équipes d'Angleterre et de Pro 14, quoi. Donc il faut que je réfléchisse à voir s'il y a moyen de bidouiller un truc. On va se faire un match et puis je regarderai ça tranquillement de mon côté. Mais je trouve les matchs en tout cas pas mal faits. Je les trouve plutôt aboutis. T'as la sensation en fait d'avoir un petit impact. Alors pas un impact comme si t'es là, manette en main, hein. Mais t'as l'impression d'avoir un certain impact. Ce qui est quand même assez sympa. Allez, par contrat, consultation de joueurs sans contrat. Mais je ne veux pas recruter. Je veux jouer. Ah, c'est marrant, en présence, genre il y avait 18 000 personnes. Capacité 40 000, le bébé, ils ont joué où? Dans le stade de foot des Girondins de Bordeaux. 11 000, c'est marrant, il y a le truc. Et nous, présence, 11 900. Ah oui, mais c'était à Oyonnax. À Toulouse, on a un stade à cœur. Score face à Oyonnax, on a gagné 21 à 5. On n'a pas ramené de bonus offensif malheureusement. Mais ça a été plutôt un bon résultat tout de même. Tu conseilles de l'acheter ou pas? Après, il coûte que 10 euros là. 10 euros, c'est quoi? Enfin, c'est même pas un McDo comme on dit. Je dirais. Donc, c'est vrai que 15 minutes. Ah, tu choisis! 15 minutes, bah après sélectionner la durée de mi-temps. Ouais, mais 40 minutes c'est beaucoup trop long. 15 minutes c'est bien, on a eu le temps. Je pense que c'est le bon ratio. 15 minutes. Alors, on affronte qui? Pau. C'est ça? Oui, c'est ça. Pau, mais à Toulouse. Bon, je pense qu'on va laisser cette équipe. C'est vrai, on a juste mis donc Yann David en 13 et on a basculé un Ntamack en 12. On pourrait tenter de mettre Médard à la place de UG, ou c'est envisageable. C'est envisageable. Est-ce qu'on mettrait Médard à la place de UG? Ouais, je sais pas. Non, on va laisser cette compo. De toute façon, on fera rentrer. Donc, Simu 3D. Ah oui, tu peux créer ton équipe 1, ton équipe 2. Selon. Ah, d'accord, il y a quand même pas mal de trucs pour gérer. Du genre, là, c'est notre team 1. D'accord, c'est intéressant. C'est bien, j'aime bien l'idée. On peut comme ça pour prévoir. Ah oui, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Vraiment, il y a des bonnes idées. Alors, faudrait que je réfléchisse un peu à l'entraînement pour voir s'il y a des trucs à faire. Rythme d'entraînement, physique, compétences. Qu'est-ce que tu peux faire? Vitesse, plaquage. Là, on est sur Aldeguerri. Mais est-ce qu'il y a des trucs nous à faire? Est-ce qu'il y a des ordres à donner? Entraînement général. Vous pouvez choisir de travailler sur un attribut physique et une compétence pour chacun de vos joueurs. Plus un joueur aura développé un attribut. Ok. Moi j'aimerais bien savoir comment on fait. Ah oui, si, d'accord. Là, d'accord, tu choisis un peu ce que tu veux faire travailler. C'est intéressant, c'est chouette. Hein. D'accord, du genre, par exemple, sur un jeune, on va prendre Antoine Dupont, il est où? Ne vous inquiétez pas, on va aller en match après. C'est juste histoire de voir. Genre, tu veux. Ou c'est les Vasio Tolofua. Lui, ils mettent vitesse plaquage. Mais en fait, de base, ils mettent tout le monde vitesse plaquage. Ah oui, mais non. D'accord, il faut vraiment y réfléchir et pas. D'accord, il faut y réfléchir. Hein. Du genre, non. Ouais. Du genre, Romain Ntamack, pour moi, c'est pas ça. C'est. Au niveau de l'entraînement physique, alors pourquoi pas même plutôt l'accélération ou même l'agilité et pas le plaquage, mais il n'y a pas genre pour faire de belles passes ou sens du jeu en premier centre, c'est bien. Voilà, par exemple. D'accord, il faut y réfléchir, c'est vrai qu'il y a tout un système intéressant à faire. Allez,
On se lance donc face à la section paloise. On espère que ça va bien se passer. On va falloir se rendre aussi simulé. Ok. Allez, on y va. J'espère que vous y croyez pour essayer d'aller chercher une deuxième victoire consécutive de la saison. Et encore, il fait une percée grâce à Lopez qui se sacrifie à l'instant. Alors, je sais pas de quoi vous parlez. Ça fait tellement longtemps, Geekman, vraiment désolé, mais ça creuse la sixième. Ah, tu es en sixième, hein, Vin? C'est ça que tu dis, t'es en sixième au collège? Première année de collège, ça va. La sixième, ça va. Moi, là où mes notes ont commencé à dégringoler, honnêtement, c'est à partir de la quatrième, je crois. Jusqu'en sixième, cinquième, j'étais un top élève à avoir des très bonnes notes. Mais continue à avoir des bonnes notes, c'est important. Même si ça fait pas tout, mais c'est quand même important. Allez, donc on sera en noir cette fois face au vert de la section paloise. Donc voilà, hein, le seul changement qu'on a fait, c'est Ficou qui est sorti blessé. Donc remplacé par Yann David, mis en 13, Ntamack en 12. On joue, moi de toute façon j'adore jouer avec deux demi d'ouverture, je continuerai comme ça. Merci Vin de regarder mes vidéos. Alors. Merci, merci. Quatrième pire moment aussi. Ben, c'est le moment où c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Allez, on va faire un coup d'envoi long. Hein, vous connaissez moi mon truc, je voulais dire en début de live, j'aime bien faire des coups d'envoi longs. Donc c'est Romain Ntamack qui va jouer au pied. Allez, tu peux le faire. Et c'est parti. Donc on va essayer d'accélérer. Simulé par anticipation. Alors là, j'essaie à chaque fois de... Donc c'est ça, c'est 15 minutes la mi-temps. Allez, une bonne avancée de UG. Stop, mais attendez. Non. Stop. Où elles sont les... Stop. Stop. Je veux pouvoir... Non mais... Je veux pouvoir donner les trucs. En fait j'ai avancé, ça a fait n'importe quoi. Je veux voir... Je veux pouvoir donner mes règles en attendant. Allez, Zach Holmes. Et on va... On a raté le premier essai, Mélodie. Oh là 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 là, et un essai de Zach Holmes. Voilà. Et Romain Ntamack à la transformation. On a bien commencé le match. Ntamack, ce serait bien qu'elle passe. Ça va passer. 7-0 les gars. Voilà. Comme ça on peut donner les règles. Faut faire gaffe. Faut... Je pense qu'il vaut mieux limite même mettre moins de temps, au pire 10 minutes, mais pouvoir choisir le truc. Allez, Colby qui a réussi à trouver son coéquipier, puis Fomuina. Il va peut-être falloir faire un coup de pied dans l'espace libre. On va essayer de jouer l'occupation. Hop là, attention, ça va permettre une relance du côté de la section paloise. Bon jeu d'occupation, on va se mettre en rotation pour être quand même... Voilà, comme ça, pour mieux commenter, c'est mieux. Peut-être dézoomer aussi. Voilà. Oh attention, où il a trouvé l'intervalle. Ça va, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a Thomas Ramos qui vient au plaquage. Et on va récupérer la balle. Et là on envoie du jeu. Peut-être à gauche. Ah, je l'ai mis trop tard, mais c'est pas grave. À droite c'est passé. Pour François Cross. François Cross qui, je rappelle, a été l'homme du match sur le précédent match. Allez, on continue à demander à gauche, mais pas avec les avant, mais plutôt avec les arrières. Ah mince, je mets trop tard, je confonds encore le truc. Les... Allez, cette fois-ci, on envoie vers les arrières à gauche. On va voir sur l'aile de Johan Hugé normalement. Allez, allez, faut mettre les cannes, Zach Holmes, on trouve Yann David. Allez, faut fixer, il donne à Thomas Ramos qui essaie d'avancer. On conserve la balle, allez, avec les avant, là, faut partir au ras. Allez, 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 allez. Ça va y aller, ça va se proposer là. Allez, on avance avec Marchand, Marchand qui retrouve Yann David et c'est le deuxième essai. On est bien les gars. J'ai un autre là. Pas de soucis, Vin, pas de soucis, c'est quand même gentil d'être passé. Allez, Romain Ntamack, ça va être compliqué là, je crois pas que ça va passer. Non, ça va pas passer, mais elle était pas mal tapée hein, malgré tout. Et on commence bien ce match, 12-0. Alors attention, tout à l'heure aussi on l'avait bien commencé, je crois qu'on a la... Non, on n'a pas la balle, attention, faut bien défendre là, dans notre camp. Attaquer les numéros de la mêlée spontanée, c'est là. Attaquer les profondeurs de la ligne fond, attaquer. Alors ça, j'avoue que je laisse en auto. Faut y réfléchir. Du genre, c'est ça, les montées défensives très rapides, etc. La première, moins chiant que la quatrième, quand même. Perso. Oh là 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 là, et voilà, on concède un essai pendant que je vous lis. Bah, la première, t'as déjà fait tes choix en fait. Donc, tu t'es déjà orienté selon tes goûts, donc c'est forcément moins chiant. Pau Toulouse, match samedi, et là c'est Toulouse Pau. Coïncidence, je ne pense pas. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez,
Écoute, on verra si, en attendant la section paloise qui revient à 5 petits points du Stade Toulousain, on est à la mi-temps de cette première mi-temps, vu que je rappelle c'est 15 et 15, donc allez, au plaquage. Ouais, c'est bien plaqué, mais ça permet de faire les passes à casser. Attention, on récupère, il y avait l'avantage, il y a l'en avant, on a une bonne mêlée, on a le choix des deux côtés, on va envoyer là-bas, regardez, j'espère qu'ils vont réussir. Avantage, perte de liaison. Ah, ah non, je demandais, c'est bien, on les a mis à la faute. Il y a un avantage, de toute façon, il y aura pénalité. Allez, mais si on peut aller marquer un essai, on essaie, oh, ça serait pas plus mal, on va essayer d'y aller avec les gros. Allez, non, pour l'instant, on y allait avec Antoine Dupont, mais on fait un en avant. On reviendra à la pénalité. On va évidemment taper les 3 points, non? Ah non, oh là là, la déception, il y avait la pénalité. La liaison avait explosé du côté de la mêlée, mais malheureusement, on aurait dû taper le drop presque en fait, hein, c'est ce que ça nous fait comprendre. Parce que on a perdu notre avantage. Et maintenant, ils ont l'avantage de la mêlée. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et attention, ça permet à cause de ça de tenter des relances. Attention, oui. Voilà, Ramos. Ramos qui revient là, qui plaque bien. On ne le poussera pas en touche, malheureusement. Attention, il y a peut-être plus de couverture derrière. Et là, ça peut être intéressant pour la section paloise. Ça va être un coup de pied direct en touche, non? Non, c'est un bon coup de pied. C'est pas grave. Il y a. Colby qui joue au pied. Attention, c'est un coup de pied direct en touche là par contre. Je crois. Eh oui, coup de pied direct en touche de Chelsea Colby. Oh, la touche ratée de la part de la section paloise, mais ils ont de la chance, ils viennent récupérer la balle. Compliqué ça. Hein. Salut KBS. Quand est-ce qu'un bon jeu de rugby va sortir, surtout sur console? Ben, je trouve que ce jeu de management, il a quand même de l'idée. Il a des bonnes idées, mais là. Mais sinon, ben, t'as Rugby Challenge quand même, qui reste un jeu de rugby quand même plutôt correct, et on va concéder l'essai. Aïe, 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 et là, la transformation, elle est moins dure que celle que Entamac a ratée. Ça va sans doute faire 14 à 12 pour la section paloise. Alors qu'on est allé gagner à Oyonnax, est-ce qu'on pourrait perdre à domicile? Je ne sais pas. Non, elle va pas passer, elle va pas passer, on en reste à 12 partout. Dur. Coupe du monde de rugby au Japon égale terre de jeux vidéo, soit, mais après à voir, hein, si Konami qui est une marque japonaise qui fait un jeu de foot quand même de très bonne qualité avec PES, se décide à faire du rugby, on pourrait avoir un super jeu de rugby. Maintenant, moi j'y crois pas trop, je pense pas qu'ils en feront. Tiens, il n'y a pas le Super Toast, non, il est pas, il est moins souvent là, hein, depuis que c'est la rentrée, il est pris souvent à l'école. Allez, oh le petit. La petite toupie, il passe et elle est pas loin, vraiment, dire qu'on menait 12-0 et là, clairement, avantage, ballon entre les jambes, il a gardé la balle. Touché, but, petit coup. La touche. Ah, fallait choisir, c'était rapide. On pouvait pas prendre les 3 points, hein, c'était un peu loin, donc on va en touche. On a encore le temps, hein, 14 minutes 16, on a encore 45 secondes. Ce serait bien de marquer Konami en rugby. Ça serait chouette, hein, Konami en rugby, clairement, mais bon, pour l'instant. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'avec la Coupe du Monde au Japon, ils nous sortiraient un truc de leur sac. Et on va en touche, regardez, on a peur du côté de nos joueurs. Ils ont un peu raison. On était dans notre en but à la mi-temps, 12 partout. Compliqué ce match, compliqué. Mario Rugby. Mais c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, il y avait eu un truc, je crois. Mais je crois que ça ressemble à rien. Je crois que j'avais vu une vidéo du joueur du grenier, il jouait au truc, mais ça ressemblait à rien. Alors que Chelsea Colby, allez, faut mettre les appuis! Ah, allez, Colby, regardez, il avance, il est inarrêtable, tel un Jack Noël. On va essayer d'envoyer maintenant. Allez, là, de l'autre côté, à gauche. Aïe, 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 la mauvaise passe. On arrive malgré tout à ramasser du côté de Fomuina. Allez, allez, on conserve. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'il faut refaire un point de fixation là plutôt? Là, je pense, mais bon, on ne la fait pas. On trouve peut-être un intervalle avec Richie Gray. Allez, on insiste peut-être même sens là, oui. Allez. Allez, oh, Julien Marchand, on trouve l'intervalle. Allez, François Cross, il n'arrive pas à faire la passe, il est bien poussé en touche, mais l'intervalle était bien trouvé, on arrive à proposer un jeu intéressant. Peut-être que ce serait le moment de faire des remplacements. Quelques remplacements, attendez, on va récupérer la balle. Est-ce que taper un drop, ça pourrait pas être sympa là? Est-ce que... Regardez, regardez, on va le tenter. Je sais pas s'ils vont le tenter. Est-ce que c'est un Tamac? Je sais pas qui c'est qui l'a tenté, si c'est un Tamac pour le drop. Ça passe pas, c'est passé juste à côté. C'est passé juste à côté, les gars. Attendez, on va réfléchir à des remplacements à faire. Lucas Pointu à la place de Baye. Allez, soyons fous. Soumettre Giraldini. Même si Marchand, je trouve qu'il fait un très bon match. J'ai pas envie de sortir de suite. Maestri un peu invisible. On va le remplacer par Tecori.
Qui c'est qui fait pas son. David, pareil, hein, c'est pas fou, hein, David, on le voit pas trop, donc on va mettre Jared Poy. On va laisser le reste, on va garder, on va faire. Il y a encore d'autres remplacements à faire par la suite. On relance. Allez, attention de ne pas se faire avoir là. Allez, allez, faut se jeter dessus. Maestri qui fait un en avant, non mais. Quand je vous dis que Maestri passe à côté de son match, là, c'est vraiment pas ça. Attention, là, regardez. Ouh, il envoie le. Il choisit le mauvais côté, heureusement. Heureusement qu'il a choisi le mauvais côté. Merci pour nous. Ouf. Attention. Hop là, on récupère la balle. Ça va revenir à la navan. Hein. Ça va revenir à la navan de Johan Maestri. Voilà. Oh, avantage, perte de liaison. On a notre mêlée. Regardez qui s'est relevée. Elle a explosé. Et donc ils ont l'avantage. Alors, ils vont en profiter. Je pense que l'avantage va vite passer. J'espère comme nous. Parce que tout à l'heure on s'est quand même fait avoir, on avait un avantage, on avait une pénalité quand même juste à 22 mètres face au poteau, il y a quand même de vrais regrets à avoir. Écoutez, on va voir. On va voir ce qui se passe. Ils avancent les Palois, ça y est, l'avantage est terminé, on a vu que c'est Conrad Smith qui a bien avancé. Ce serait bien de finir par récupérer la balle, là, un bon contre-ruck. Attaque numéro 1. Est-ce qu'on tente un truc un peu fou, numéro 1 vitesse rapide, on va... Ah non, on a récupéré la balle. On a récupéré la balle. On avait pas un drop. Mais je suis encore sur drop, je suis un boulet. Bon, à cause de ça, il a passé pas un drop, c'est une genre de chandelle. Mais je pense que c'est à cause de ça qu'il a joué au pied. Allez, allez, une belle relance. Une belle relance de Romain Tarac. Non, il va jouer au pied. Bon, c'est en auto, hein, je lui ai rien demandé. Mais c'est pas mal, c'est un bon jeu d'occupation. On va voir qui c'est qui va finir par y gagner. Maintenant, j'ai envie qu'on tente des relances. Là. Allez, Chelsea, Colby. Colby, c'est un petit coup de pied par-dessus, assuré. Un coup de pied offensif. On vient plaquer Conrad Slay du côté de Thomas Ramos. C'est bien, on est de nouveau dans leur camp. Il reste encore 10 minutes à jouer. Ouh, la passe qui va en touche. On a une bonne touche là. Une mauvaise passe de Dobania. Une touche. Joue avec les avants peut-être. On a. Ah non, ils envoient au large. Zach Holmes. Zach Holmes qui perce. Allez, faut jouer avec les avants. Là, j'ai pas envie. On pourrait taper un drop, hein, c'est vrai. Mais là, je pense que jouer avec les avants, ça pourrait avoir un impact. Là, allez, allez, on joue avec les gros. Avec Fomuina. Après, on est parfaitement placé pour le drop. Ouais, on ne l'est plus du tout placé. Aïe, aïe, aïe. Non, non, il faut renvoyer à droite. Il faut renvoyer à droite. Pas de drop là. Non, on va être poussé en touche. C'est dur, c'est dur. Médard fait le rentrer. Allez, on va faire rentrer Médard. T'as raison. Pour les 10 dernières minutes, Max Médard qui va nous remplacer un Yuan Ugé. Pas tip top. Et un Dupont qui a du mal là à se faire ressentir. Voilà. Et Giraldini. Allez, Giraldini qui va remplacer Julien Marchand. Et on aura fait tous les remplacements possibles, je crois. Alors après, est-ce que tu peux les remettre s'il y a des blessures? Peut-être. À voir. Allez. Ouais, ils s'en sortent bien en touche. Hein. Pas de faute, surtout pour les laisser. Mais ils arrivent à très très bien relancer là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Attention. On va le pousser en touche. Oui. Ça touche. Sur les 50, alors après... Oh là là, notre touche est mauvaise. On va se jeter du côté de Romain Tamac. Sauver la patrie. Doucin, on sort la balle. Allez, on va les laisser en auto. Non, on va leur demander un peu d'envoyer à gauche du côté de Max Médard. Là, il est frais, il vient de rentrer là-bas. C'est lui, hein, qui est là-bas. Ça pourrait être intéressant. Donc on demande un jeu des trois quarts vers la gauche. On va voir s'ils arrivent à envoyer jusque-là. Oh là 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 là, ils ont voulu faire une redoublée. Et un en avant... Et en avant, peut-être de François Cross, j'ai pas bien eu le temps de voir qui a fait l'en avant. Mais les Palois qui arrivent vraiment à bien jouer. Et ils avancent. Ça a été poussé en touche, donc on va revenir à la mêlée et à l'en avant. Pour Médard, il a fait une minute contre l'Argentine. Ouais, et puis en plus, c'est 3 semaines sans Médard, donc il va rater sans doute le match chez les Wasps, au Wasp. Là où peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour Toulouse, même si ça s'annonce compliqué, mais ouais. Allez, on en. Oh! François Cross, c'est la percée de la gagne peut-être. Ah, il est arrêté. Il essaie de retrouver un équipier. Allez, non, pas jouer avec les trois quarts. Jouer avec les avants sur la gauche, peut-être sur la droite plutôt. Allez, allez, là, regardez. On l'a vu, on l'a demandé. Et c'est l'essai de Leonardo Giraldini pour l'essai. Alors, pas encore de la gagne, attention. Entamac, elle est pas facile, on voit, elle est en angle. Allez, Romain Entamac, ça va pas passer, je pense. Non. Non, on reste à 5 points d'avance.
On a marqué. Là, on va coup de pied dans l'espace libre. Hein. Dès qu'on peut, là, pas perdre ce ballon, c'est dangereux. Quoique, on trouve avec Charles Poy hein, qui a plus d'impact. On va pas se le cacher. Il est, je trouve, plus efficace pour l'instant que Ian David, hein, qui était titulaire sur ce début de match. Et un bon jeu d'occupation du côté de Zach Holmes. Et les Palois qui va être obligé de jouer au pied. C'est un bon jeu au pied. Ils vont bien jouer. Bien joué. Alors là, le choix, il n'est pas facile. Je pense que ça vaut le coup de tenter de jouer à la main là. Alors oui, c'est vrai que si on marque un drop maintenant, ça monte. Sauf que une mauvaise touche de Ghiraldini et on perd la balle. Ah! Attention, il faut se remettre un peu de ce côté-là. Alors en défense, je ne sais pas trop organiser. J'avoue que je fais confiance à mon équipe, mais elle a un peu de mal. En attaque, j'essaie d'être organisé, mais là c'est dangereux. Oh, il a trouvé des intervalles, des plaquages manqués. Allez, faut revenir. Non! Oh là 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 là! À 5 minutes de la fin, Stephen Armitage qui marque. Aïe 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 aïe. Alors, il reste plus que 4 minutes. La transformation qui va passer à côté. On revient à 17 partout. Un renvoi court, long, moyen, court. Court, on va le tenter. Vous savez que j'en fais pas souvent des courts, mais là, j'ai envie qu'on tente de récupérer la balle. Qu'est-ce qu'il nous fait, Romain Ntamack? C'est retour Romain Ntamack et qu'on n'a pas. Lui, on le fait jouer à fond. Ah non, mais c'est pas Romain Ntamack qui tape au pied. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être Doussin. Mais à la place, voilà pourquoi je préfère faire des renvois longs. Parce que quand ça se passe comme ça, heureusement, il fait un en avant. Ah non, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Faut pas jouer au pied. Richie Gray qui joue au pied. On va revenir à l'avantage et à la mêlée. Salut Polo Polo, salut salut, salut Sacha, ça va, on est jeudi après-midi. Ils font le choix de jouer au pied, mais là, ça, il y a une bonne couverture du côté des Palois. Plus que 2 minutes à jouer, plus que 2 minutes, est-ce que ça vaut pas le coup? On tente une chandelle, moi j'ai envie qu'on tente plutôt du jeu à la main, là, mais malheureusement, on perd la balle, ils font des petites erreurs, ça serait bien de récupérer ce ballon dans le ruck. Ça sera pas le cas. Allez, allez, un bon plaquage. On a malheureusement un joueur qui met du temps à se relever. 28 minutes et 20 secondes. Je rappelle que ça s'arrête à 30 minutes. Il faut jouer au pied là. Faut jouer au pied. Oh, il tente la chandelle. Il tente la chandelle, Thomas. Ouais, en avant. Non, c'est qui met le ballon en touche? C'est peut-être le Palois. C'est peut-être le Palois. S'il n'est pas en avant, pour moi, c'est le Palois. Oui. Allez, une bonne touche. Allez, faut essayer d'envoyer du jeu peut-être sur l'aile à Chelsea Colby. Il peut peut-être nous déclencher quelque chose là. Allez, je demande à essayer qu'on envoie la balle sur l'aile de Colby. Est-ce qu'on va envoyer? Allez, allez, c'est pas Colby. Pour l'instant, c'est Jarrod Poy. Mais on revient dans le camp palois. On insiste même sens. Thomas Ramos qui casse un plaquage. Qui retrouve Chelsea Colby. C'est pas mal ça, c'est pas mal. On est dans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un en avant de passe? Là, je demande arbitrage vidéo, moi j'ai rien vu. J'ai vraiment rien vu et c'est la dernière action. Et les Palois qui vont. Alors attendez, qu'est-ce qui nous siffle là? Hop. Je regarde, arbitrage vidéo. Pour moi là, il n'y a pas d'en avant. Il casse le plaquage. Pour moi, il n'y a pas d'en avant. Avantage, passe en avant. Monsieur l'arbitre. Sérieux? Sérieux? Il n'y a pas d'en avant là. Mais vous vous rendez compte là, le truc, on est. On se fait voler là sur ce match et Palois ils se satisfont de ça. Ah là là, 17 partout. Il y avait tellement moyen de gagner là. Ah déception, déception, il y avait moyen de gagner ce match. En tout cas, je suis très agréablement surpris. Alors surpris, j'avais un peu regardé, mais je trouve qu'on a un vrai impact, vous avez vu. Alors c'est pas comme sur Rugby Challenge où tu joues vraiment, mais t'as quand même des choix. Vous voyez, j'ai voulu essayer d'envoyer sur Colby, ça marche, sauf que bon, il nous siffle en avant. Tu penses quoi de Bastaro Geek? J'aime pas du tout ce joueur, je le trouve pas intéressant au possible, c'est pas un rugby que j'aime. Alors qu'on avait mis un premier bel essai avec Zach Holmes, ça. Ah, déception, hein, déception. Bon, après, on va se retrouver à 6 points en 2 matchs, ce qui n'est pas si mauvais que ça, hein, mais ouais. Attention, il y a des matchs qui n'ont pas été joués encore. Il faut simuler. Ou Clermont, Toulon. On va simuler en simu 3D, je pense. On pourrait regarder le match si on voulait. Tu peux vraiment tout voir, c'est assez cool. Alors.
Toulon qui a battu Clermont et qui a gagné avec le bonus offensif, sérieux? 42 à 14 à Clermont? Non mais allô, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette blague? En attendant, clairement, ils ont pris cher là. Et Toulon se retrouve à 10 points. Alors on rappelle que c'est les 6 premiers hein, qui passent. C'est toujours pareil, mais. Ah, il y a des messages. J'étais même pas allé les voir. Entraînement maximal. Plusieurs attributs comme. Ah, après, tu peux les entraîner sur d'autres choses, d'accord. Pointu, maestrie. Bah, Fico s'est blessé, d'accord. Genre, pointu et maestrie, il faut les mettre sur d'autres choses. C'est ça. Alors attends. On va les mettre sur d'autres choses. Pointu. Bah, surtout que vitesse et plaquage, plutôt sur conditions physiques et ruck. Mêlée, mon pilier. Voilà. Et maestrie. Maestrie, on peut le mettre sur, sur force et sur saut en touche. Sur soin touche, est-ce que c'est un sauteur maestri? C'est pas trop un ouais, il... Allez, voilà. Ben voilà. Bon. Virginie. Tu te rappelles du 35-9 que Clermont avait chez eux face à Toulon? Alors non, là, comme ça, je l'ai pas en tête. Pas encore, hein. Ah, je l'ai pas en tête. Tu nous refais un match, ben bon, le live il a déjà un moment, ça fait une heure et demie qu'on y est. Après on peut s'en faire un dernier, hein. C'est envisageable ou mais faut que je réfléchisse. Après c'est cool de faire le top 14, mais faut que je réfléchisse à créer un truc pour voir. J'aimerais bien bidouiller un peu, voir. Tu finis sur RC3. Ah, c'est un match sur Rugby Challenge 3 pour finir. Ma foi, pourquoi pas. Ton prono pour France-Fidji, bon, comme tout le monde, victoire française. Ben, c'est évident. Non? Soyons honnêtes, je suis pas supporter français, hein, mais... évidemment que la France, les Fidji, c'est vraiment pas en forme. Hein, c'est pas, ils ont en plus des joueurs importants qui manquent. Hein. Ils ont quand même Mourivalu et Nadolo, sans doute leurs deux arrières les plus forts, qui sont absents. Hein. Donc les Fidji, déjà que c'est pas énorme, s'il leur manque leurs deux meilleurs joueurs, c'est pas fou quoi. Ouais, moi je vois bien vraiment, la France elle va gagner aisément. Elle va peut-être concéder des essais, hein, attention, hein, les Fidji ils sont capables de leur mettre deux essais dans le match. Hein. Mais je vois pas la France mettre moins de, j'en sais rien, moins de 35-40 points. Ils vont mettre, ouais, au moins 40 points, je pense. Non, enfin, je sais pas. Après, je peux me tromper, mais pour moi, la France, elle va mettre 40 points. En plus, Brunel a sorti son équipe type. Oui, en plus, il veut même pas faire tourner, donc. Effectivement. Ça y est, c'est bon. Et c'est quoi notre prochain match pour voir? Ah non, on va à Toulon. J'ai un peu peur. C'est pour affronter l'équipe de monstres là. On pourrait concéder notre première défaite. Donc, ouais. On va s'arrêter là. Alors, comment on fait? Alors, de toute façon, je pense que ça sauvegarde de base. Du genre là, si je mets charger équipe. Donc c'est la partie 4 si je suis. Hein, et genre je vais à jouer match, c'est ça. Et ça a sauvegardé, je suis prêt à rejouer. Peut-être qu'on reprendra en live, hein, même si c'est sûr. Hein. Les autres matchs n'ont pas encore lieu, on est le dernier match, donc on va pouvoir les... Bon, mais ça sera dans une prochaine fois. Et puis je réfléchis à une création. À une création, mais il faudra que je réfléchisse. J'ai à réfléchir. En attendant, on va aller sur Rugby Challenge 3. Prêt à perdre, on verra, mais Toulon, voilà. Bon, est-ce que quelqu'un est chaud pour m'affronter sur Rugby Challenge 3 en multi? Sinon,
Sinon, on arrêtera là. Je sais pas si la binouze, vu que je vois que tu es là, si t'es chaud pour faire un match. Live de même pour la suite, bah pourquoi pas, ouais. On parlera un peu des trucs et on fera peut-être la suite, ouais, si des gens sont chauds. Moi au T-Rex, mais T-Rex je l'ai pas vu. Donc si t'es chaud Léo, moi je... J'ai un peu peur de t'affronter, ça compte pas pour notre tournoi, hein, mais... Qu'on ne spoilera pas en live, mais... Qui je prends? Bon, on a vu assez de Toulousains. Ah mais c'est pas... Attends, j'ai peur de pas prendre... Stop. Si c'est ça, je pense que ça va être la bonne. Ah mais voilà. Ah mais c'est T-Rex, mais T-Rex a piqué un truc à la binouze. Ah mais tu es un supporter toulonnais, je vais pas prendre Toulon. On m'avait demandé Grenoble. Hein. Mais bon, je vais pas avoir l'équipe à jour à mon avis, ouais, de Grenoble. Mais... J'ai pas du tout à jour. À mon avis, j'ai pas du tout Grenoble à jour. Tu peux prendre Toulon, hein, si tu as envie. Ouais, je t'entends. Tout le monde t'entend, je pense, sur le live. Moi, je t'ai coupé le micro. Ah, pas de soucis. Okay. Tu prends Toulouse. Non. Ah, tu peux, hein, tu peux. Allez, Paris. Allez. Oh. Grenoble, Stade français Paris. Bon alors T-Rex on est à... Je crois que je te mène de 2 victoires à 1. Mais on a un niveau assez proche T-Rex et moi. Alors que la binouze est plus fort, on va pas se le cacher. Ouais c'est vrai. T-Rex et moi c'est un niveau plus proche, plus équivalent déjà. Oh mais tu as... C'est moi qui ai le maillot d'Agen. Ah non. Ça bug. Ah non moi ça bug pas mais j'ai le maillot d'Agen. Ah ouais. Tu veux qu'on recommence ou... Non bah tant pis hein, écoute. Par contre je vais changer. Voilà. Je vais jouer avec le maillot blanc. Donc je suis désolé à Mathis. Je voulais te faire plaisir en prenant Grenoble. Alors, et je sais même pas si c'est les bons joueurs. Ça doit être que les faux joueurs, j'ai pas l'équipe à jouer. J'ai maillot d'Agen. Allez, une équipe rivale à Grenoble pour la montée. Bravo. Non, allez. Attention, c'est parti pour la relance. Ah oh. Ah ouais, moi ça va, ça lag pas trop. Allez. Du soutien. Allez, on reste. Proche des gros, du soutien. Lâché. Voilà. Oh non, l'interception. Oh, elle fait tellement mal. Elle fait tellement mal, heureusement. C'est un gros qui était là. Parce que sinon, ça allait au bout, mais ça peut encore aller au bout. Allez. Oh le bon grattage. Les Agenais qui essaient de mettre du jeu. Allez, ah j'ai tenté, fallait que quelqu'un se porte en hauteur, mais malheureusement personne s'est porté à hauteur. Ah là 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 là. Ça va être disputé cette touche. Et c'est récupéré par les Agenais grenoblois. Allez. Ouais, ça va être difficile ça. Allez, du soutien. Non, monsieur l'arbitre. Et pas touché. Oh. Ah là 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 là. Et ça va, une touche. Et ça va la trouver. Ça trouve une belle touche. Du côté du Stade français. Aïe. Ah ouais, mais... Ouais, deuxième touche perdue. Et là, on prend hein, du côté Agenais. On va pas se le cacher quand même. Allez, on avance. Oh, c'était tendu. On n'était pas loin d'être plaqué et donc de faire un en avant. Ça essaie d'attaquer par le centre du terrain. C'est pas mal fait. Lâché.
essaie de bien défendre et de gratter la balle si possible. On s'attente les petites passes après contact dangereuses. On est là pour défendre et on en avant. On en avant. Allez, on a l'avantage, on peut tenter quelque chose. Allez. Lâchez pas. On est pénalisé, on a refusé de lâcher une fois de plus hein. Mais c'est pas grave, on a levé l'avantage. Et on a une bonne mêlée quasiment à l'entrée des 22 parisiens. Pour l'instant les deux mêlées sont pas très bonnes. On a de la chance pour le coup. Non mais non, t'as pas le droit de nous faire un avant là comme ça. Oh là là, notre demi d'ouverture. Mec, il s'est pris pour Carbonel. Avantage terminé. Allez. Allez, un coup de pied. Et là, ça va aller en ballon. Aïe, 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 aïe. Que d'erreur, les gars. Flexion. Tu parles de mettre France Fiji sur Rugby Challenge, je crois, sur YouTube. Ben, elle sort demain. Elle sort demain, ouais. La vidéo France Fiji. Évidemment qu'elle était prévue. Hein. Je t'entends pas bien par contre. J'entends le mot pénalité, c'est tout ce que j'entends. Ah ouais? Oui. Ah merde. Aïe, aïe. On essaie de pas. Avantage. Oh l'en avant. Oh l'en avant. Et on peut. Est-ce qu'on peut essayer d'en profiter? Lâchez pas. On est de nouveau pénalisé, on se fait pénaliser, mais c'est pas grave, il y a l'avantage. Heureusement. Ouais, là tu m'entends mieux? Là je t'entends, ouais. Après c'est peut-être quand ça gueule dans le jeu aussi. Flexion, ouais. Mêlée, jeu. Allez. Et non, je vais pas humilier T-Rex, c'est pas parti pour là vu qu'on a le match, ça m'a aussi serré. Ah non, oh là là, on va même perdre la mêlée. Ah, une mêlée qui était importante. Ouh. Pour moi, je sais pas. À vérifier. Oh là 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 là, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. Allez. Le retour intérieur. C'est pas mal fait. Ah mais pour poche de toi. Oh là là, il se propose pas. C'est rageant. C'est rageant. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Ouais non. Et récupération. Et la tentative de drop à côté, pas assez loin de toute façon. Oh, ça prend des risques du côté du Stade Français Paris et de Tyrex. Allez, non. 39e minute, je pense que ça va. Allez, allez, allez. Ouh, et bim. Là, voilà, on le calme un peu, là, le Parigo. Voilà, c'est comme ça qu'on dresse les Parisiens. C'est la mi-temps. Il n'osera pas relancer à la main. Je comprends, j'aurais fait pareil. Bon, 0-0 à la mi-temps. Je trouve qu'on joue plutôt dans le camp parisien, mais on n'arrive pas du tout à marquer. Oh là 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 là. On perd la balle. Allez. Allez. Allez, faut mettre les cannes. Allez, le petit coup de pied, regardez. Allez, allez. Il récupère la balle. Il rafute. Et la faute du soutien. On y est, on a la balle. Ah, les Agenais qui reviennent de suite dans le camp parisien pour mettre la pression. Et les sauter, et on met les cannes. Allez, allez, faut aller au bout, au bout, au bout. Ça affûte. Arrêtez, ça devrait y aller. Non, toujours pas. Allez, on y va avec le demi de mêlée. Ça plaque, mais ça marque les C Agenais. Sur une belle relance quand même. Et c'est dans le coin, mais ça va passer la transformation. Maintenant, c'est à toi de faire le jeu. C'est Paris d'envoyer du jeu maintenant. On mène à 7-0. Allez, allez. Oh là 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 là, à chaque fois, deuxième fois qu'on se fait prendre comme ça. Ouais, c'est vrai que la binouze, il. C'est casse-bonbon de l'affronter comme ça, tu sais que tu perds la balle à chaque fois. Attention. Allez.
Lâchez. On récupérera pas la balle. Voilà, ça tente le drop pour aller gagner après sur le poteau et ça rentre. D'accord, alors le choix c'est comme ça, c'est qu'il ne veut pas un match nul, il veut gagner et comme ça il ne suffira plus que d'un essai. Mais je comprends le choix, ça on verra. On verra si c'est payant parce qu'on va venir dans ton camp et on va pas te laisser revenir dans le nôtre. Aïe. Oh la bonne grattage. Allez. Et pour plier le match. Allez. Allez. Oh le retour intérieur. Le crochet. Et c'est l'essai qui plie le match pour devant. Oh le petit. Je vais laisser le dernier petit ralenti parce que vous allez voir le retour intérieur crochet. Franchement, on croirait une vraie image de rugby. J'ai bien aimé. Déjà, on fixe bien. Et là, hop, tac. Et on aplatit. Oh, par contre, ouais. Le coup de lag à ce moment-là qui nous coûte la transformation. Il faut que tu marques deux fois. Si T-Rex veut gagner, il faut qu'il marque deux fois. Alors, en 25 fausses minutes, c'est faisable, mais voilà, faut plus perdre de temps. Hop, on tente le retour intérieur. C'est pas mal fait. Allez, ça joue côté à genêt. Allez, on envoie petit côté. Non, ah non, je pensais pas rafuter. En fait, je m'attendais à me faire plaquer. Effectivement, Grenoble a le... Alors, c'est parce que j'ai pas bien fait gaffe. Il nous donne la balle. La touche, c'est pas ça du côté du stade français. Allez. Non, non. Attention. Allez. La croisée. On la conserve. Voilà. On essaie de partir au bord du ruck. Ça passe pas. Oh, on s'est fait gratter la balle. Pas payant ce départ au bord du ruck, mais c'est pas grave. 9 points d'avance. 15 minutes à jouer. Oh là là, j'ai été pris. J'ai été pris au crochet. Allez. Oh, c'est bien fait ça. Mais ça va, il y a le soutien qui vient nous protéger. On va essayer de se repositionner tranquillement. Ah, j'ai tenté le petit coup de pied par-dessus, mais c'est, il y avait la bonne protection. On arrête de suite le mol. Il faut marquer maintenant pour le stade français, pour T-Rex, s'ils veulent gagner. Et il peut le faire. Attention. Oh là là. Oh, la bonne récupération de balle. Et regardez la longue sautée. Allez. Ah, j'ai pas le temps, hein. Je voulais jouer au pied. Ça c'est dangereux. Allez. On essaie de pas se faire avoir, de pas se jeter. Voilà, on glisse bien la défense à Genèse grenobloise. Allez. Quelle défense. Alors qu'il pouvait se relancer et marquer de suite. Eh bien non. Et là. C'est là, récupère la balle. Et là, on prend des risques fous qui pourraient nous coûter cher. Il a pas de soutien. Et il vient pas. Et on récupère la balle. On met les cannes. Allez, le crochet. C'est passé. Et ça va être le troisième essai. Oui. Aïe, aïe, aïe. Il essaie de revenir. Et hop là. Ça fait mal parce qu'il y a une vraie domination sur la fin de match. Et un petit contre. Un contre-assassin vient sceller le match. J'espère que pour notre tournoi ça se passera aussi bien pour moi, mais je ne suis pas si sûr que ça. 19-3. Bon, ben merci à toi pour le match malgré tout. Et puis voilà, puis bon. Après déjà, tu n'aurais pas perdu toutes tes touches, ça aurait peut-être changé un peu la physionomie. Mais voilà. Bon, merci et à plus. Victory, voilà, on finit en beauté. Avec une équipe grenobloise remaniée et rachetée par les Agenais. On a battu le Stade français Paris.
Oui, non, c'est pas que les effectifs sont pas à jour, c'est que j'ai pas les trucs de Grenoble, j'ai le truc qui a bugué parce que voilà, mais ça se règle aisément, mais en fait déjà c'est parce que équipe à 15 créée, je n'ai pas Grenoble en fait. Si. Et là les maillots, ben voilà. En fait, voilà ce que je vais vous expliquer. J'ai pris en fait top 14. Voilà, French Division 1. Mais si j'avais pris équipe à 15 créée avec Grenoble là, j'avais le maillot de Grenoble et j'avais alors. Après, je les connais pas bien les joueurs. Je connais pas trop Grenoble, mais non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Courage demain, dernière journée. Après, c'est le week-end. Je ferai un petit live demain, peut-être pour discuter un peu du week-end qui arrive, parce qu'il y a le top 14, la première chip et les derniers matchs de la tournée d'automne de toutes les équipes internationales. Et puis, on fera un fond de rugby manager, je pense. J'ai envie de continuer tout ça. Désolé Lucas, mais t'inquiète, t'auras ta revanche, t'en fais pas. Passez une bonne soirée, profitez bien, et puis nous on se retrouve sur d'autres vidéos et d'autres lives comme d'habitude. Et puis si vous voulez blablater, vous savez qu'il y a le Discord, où on raconte un peu tout et n'importe quoi. Allez, bye bye, ciao tout le monde.